C'est des soirées que je vous proposerai une fois par mois. Et à la fin de la soirée, j'irai chercher le calendrier avec toutes les dates de l'année. Ce sera mis sous peu. Mais j'ai mis un programme au pif pour le moment. Et à la fin de la soirée, je vais laisser une feuille dans le fond. Et si vous avez les thèmes, vous, que vous voulez qu'on aborde, vous les notez et je verrai s'il y en a que je peux rejoindre en une soirée. Et ce sera à partir de ce que vous demandez, vous. D'accord? L'idée, c'est que pendant ces soirées-là, on avance ensemble et on puisse approfondir notre foi, aller plus en avant, redécouvrir la richesse de notre foi. Parce que souvent, on apprend des choses des autres religions, on se dit, ah, c'est vachement bien. Et puis, on ne se rend pas compte des richesses et des trésors qu'on a, nous. Voilà. Donc, voilà un petit peu l'idée. Donc, c'est sur 5 minutes d'accueil. Et puis, on va commencer dans le vif du sujet. Ce soir, on a mis pour le rituel de la messe catholique. Alors, que ce soit bien clair, parce que comme le temps est compté, ce soir, on ne va pas rentrer dans la notion théologique de la messe. Qu'est-ce que la messe dans l'Église catholique? On va tout simplement prendre du début à la fin ce qui se passe, les gestes qui sont posés, et on va les décoder ensemble. D'accord? On va vous parler de ce qui est prescrit par le missel romain, d'accord? Qui est la norme universelle. C'est promulgué par le pape, par l'Église, et c'est la messe catholique qui doit être appliquée de la même façon partout dans le monde, dans les Églises catholiques. La difficulté, c'est que ça n'est pas toujours la norme qui prime, parce que pour des raisons X ou Y, il n'est pas lieu de commenter ou de juger, eh ben, certains prêtres ne n'appliquent pas ce que demande l'Église, qu'ils font un peu ce qu'ils veulent et que ça peut être la fête du slip. Voilà. Mais moi, ce soir, je ne vais pas rentrer là-dessus. Ce soir, nous parlerons stricto sensu de ce que demande l'Église dans le missel romain et de ce que tous les trois, pour le coup, nous nous appliquons à appliquer. C'est-à-dire que maintenant, je connais davantage Francis pour avoir concélébré avec lui. Je sais que quand il célèbre la messe, il célèbre fidèlement aux normes du missel. Et le Père Denis, que je connais depuis plus longtemps, pareil. Et pour ma part, j'essaye aussi. Alors, on va aborder des choses qui vont être très pragmatiques, des gestes qu'on va commenter. Si dans votre cœur, vous vous dites, oh, tout ça, c'est pas important, c'est pas l'essentiel de la foi, nanana, Jésus est plus important, blablabla, je vois bien le topo. Du coup, ce soir, vous allez vous ennuyer. Parce que ce soir, je vais apporter deux ces gestes qui sont les normes de l'Église, qui peut-être vous dire, tout ça, c'est du cinéma. Peut-être. Mais ça, cette façon de regarder les choses, ça s'appelle du relativisme. Oui, c'est pas important. Oh, est-ce que c'est là l'essentiel? On relativise les choses. Est-ce que dans un couple, on peut relativiser la fidélité? Oh, je sais bien qu'il m'aime, mais s'il va coucher ailleurs, c'est pas grave, parce que l'important, c'est qu'il m'aime dans son cœur, et que je sais que quand il va voir quelqu'un d'autre, finalement, c'est qu'un échange de salive, c'est qu'un échange d'humeur, et qu'un bon moment passé. Mais l'important, c'est qu'il m'aime dans son cœur. On ne relativise pas la fidélité. Vous avez plus de mal. On ne relativise pas la fidélité à ce que nous demande l'Église. C'est la même chose. Quand on commence à relativiser, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc on ne va pas relativiser ce soir. Alors on va commencer tout de suite. La messe commence quand? Ça, c'est pas mal. Bien vu. Mais ça, c'est mal. Alors, la messe commence par quoi? Chant d'entrée, procession, eh ben non. Non, oui, alors ça c'est là, on appelle la fête. On va commencer depuis le départ. La messe commence pour le prêtre à partir du moment où il commence à se vêtir. C'est pour ça que c'est absolument pas le moment de venir à la sacristie 2 minutes avant la messe pour dire j'ai ça, je vous donne ça, je vous donne. Non. Avant la messe, le prêtre est déjà dans la messe par la vêture. D'accord? Et pareil, le prêtre ne s'habille pas comme il veut. Il y a une façon de présenter les ornements dans les sacristies. Là, je ne l'ai pas fait par manque de place. Mais le prêtre revêt plusieurs habits. Alors, si on applique la norme, le prêtre met tout ça pour dire la messe. On va commencer. Alors, à part Denis,
qui peut me dire comment ça s'appelle ça? Ah, bravo! Un amicte, merci ma sœur. Les religieux sont exclus aussi. Ça, c'est un amicte. En principe, le prêtre met ça. Ça sert à quoi? Ça sert à couvrir le col. Un amicte. A-M-I-C-T. Ah, tu peux écrire au tableau, Denis? Alors, ça, c'est, ça sert à couvrir le col pour rien, pour qu'aucun habit civil ne dépasse. Quand le prêtre s'élève, on doit ne voir que ses mains et ses pieds pour qu'il puisse marcher. Mais tous ses habits civils sont couverts parce qu'il quitte la sphère profane pour entrer dans les sphères sacrées. Donc en fait, on gomme en principe tout ce qui marque notre tenue civile. Donc la micte sert à couvrir le col, d'accord? Et donc, c'est un vêtement ancien. Alors quand on le met, on a l'impression d'être un saucisson, hein, parce que si on le met sur les épaules, on croise, on fait le tour devant et on fait un nœud. Okay? Alors, quand on le met, il y a... Vous savez, dans l'Église, toutes les choses ont toujours une raison pratique, et avec les siècles, on les spiritualise. Donc, quand le prêtre met la micte, il la met d'abord sur la tête, avant de la poser sur les épaules, en disant « Revêt-moi, Seigneur, du casque du salut », qui est une phrase que l'on trouve dans les épîtres de saint Paul. Parce que célébrer la messe, quitter le monde profane pour entrer dans le monde de la spiritualité, c'est un combat spirituel. Comme vous, nous les prêtres, quand on va servir la messe, merde, est-ce que j'ai bien fermé la porte du presbytère? Ah, faut que j'aille encore faire ma course, les courses. Faut que j'ai pas acheté de pain, c'est dimanche. Mince, je vais finir la messe. On est comme vous. On va célébrer la messe, mais on a tout ce qui fait nos préoccupations de chaque instant qui nous empêche, nous aussi, de rentrer dans la prière. Ne pensez pas qu'on est saint et que tout baigne et que c'est naturel. C'est pour ça que pour nous prêtres, il y a ce temps de vêture. Et donc il y a « Revêt-moi Seigneur du casque du salut ». Donc on met, l'ami, c'est une phrase spirituelle, pour pas, on a spiritualisé les choses pour codifier les choses, pour pas arriver, allez hop, non. C'est pour nous permettre déjà d'entrer dans la prière en prenant, alors quand on dit la prière, on prend le temps de mettre les choses correctement, d'accord? Sur la micte, on met ce que tout baptisé devrait mettre pour venir à l'église, le vêtement blanc qu'on appelle une aube. Et donc, ça c'est une aube, il y en a à carré comme ça pour bien voir la micte, mais on met l'aube par-dessus, ok? Et donc normalement, quand vous allez à la messe, si vous êtes baptisé, vous devriez venir habillé en aube. Comme c'est pas très pratique, on a arrêté hein, très rapidement dans l'église, mais en rigueur de terme, si vous achetez une aube et que vous venez à l'église en aube, on vous dira rien, c'est juste normal, d'accord? C'est pour ça que les enfants chœurs portent des aubes pour rappeler ce vêtement blanc tout le monde et les prêtres aussi, ok? Le missel ensuite dessus dit au prêtre qu'il faut mettre un cordon. Un cordon, en principe, qu'on met d'une façon particulière, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que les pompons vont de part et d'autre pour tenir l'étole, c'est très pratique. Quand on met le cordon, ça nous invite pas, ça nous invite à la chasteté. Et ça va avec le verset du psaume « Ceins-moi les reins de ta chasteté, Seigneur ». Pourquoi ? La chasteté, parce que la chasteté, c'est la vertu d'avoir une attitude juste. C'est d'être à sa place. Quand le prêtre va célébrer la messe, il n'est pas là pour faire son show. Il n'est pas là pour prendre la place du Christ. Il n'est pas là pour s'attirer à lui les âmes de ses paroissiens. Il n'est pas là pour séduire. Et donc, le cordon rappelle au prêtre qu'il doit célébrer la messe avec chasteté, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour lui, pour séduire les gens à lui, mais qu'il est là pour les conduire au Christ. Et le cordon est autour des reins. Les reins, dans la Bible, c'est le lieu de la sensualité. La concupiscence, comme dirait Père Denis. Rappelez-vous, en Moyen-Orient, quand les femmes veulent séduire les hommes, qu'est-ce qu'elles font? Elles font la danse du ventre, ou plutôt la danse des reins, qui est le lieu de la sensualité. Et donc le prêtre doit se ceindre les reins pour se rappeler qu'il doit être chaste dans sa façon de célébrer la messe, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour faire son propre show à lui et augmenter ses voix dans les sondages. Là-dessus, j'ai pas mis l'eau, bon, c'est un peu ridicule, mais c'est pas grave. On met ça, ça s'appelle l'étole. Très bien.
Ça vient d'où, ce vêtement? Ça vient de l'empereur romain. L'empire romain était très grand, et quand il y avait des problèmes, l'empereur ne pouvait pas aller partout. Donc l'empereur remettait un vêtement comme ça sur les épaules de celui qu'il envoyait pour régler le problème, et du coup, ça montrait qu'il avait reçu l'autorité de l'empereur pour régler le problème en question. Le jour où nous sommes ordonnés prêtres, l'évêque nous remet l'étole, qui est l'autorité de prêtre, parce que les prêtres ne sont que les délégués de l'évêque. En rigueur de terme, le seul prêtre du diocèse, c'est l'évêque. Mais comme il ne peut pas être partout, il délègue son sacerdoce au prêtre. Et nous recevons cette étole, qui est le signe de notre autorité. Nous sommes là au nom de l'autorité de l'évêque. D'accord ? Avant concile, les prêtres croisaient les étoles pour montrer que leur autorité, elle était liée au pouvoir de l'évêque. Mais ça a été supprimé, maintenant on les met droit. Mais cette autorité-là, on doit la manipuler avec chasteté. Et donc du coup, le cordon tient l'autorité. Et donc, cette autorité, je l'exerce avec chasteté. Je ne suis pas là pour faire mon petit tyran, je suis là pour exercer l'autorité au nom de l'évêque, non pas encore pour assouvir mon pouvoir, mais pour le bien de l'Église. Et donc cette autorité, elle doit être administrée avec toujours chasteté. Et donc tout cela, au final, n'est pas important parce qu'on met par-dessus la chasuble qui rappelle le manteau du Christ, qui rappelle la miséricorde du Christ, la charité du Christ, et donc tout cela doit être recouvert de la charité du Christ. Et quand on met la chasuble, on ne voit plus ni le cordon ni l'autorité, c'est-à-dire que l'autorité doit toujours disparaître sous couvert de la charité. Et à ce moment-là, du prêtre disparaît complètement, on ne voit plus que ses mains, qui est là pour administrer au nom du Christ. Quand le prêtre met tout ça, c'est pas juste s'habiller pour aller faire un show. Quand il revêt les ornements sacerdotaux, ça doit le conduire, lui, à un état d'esprit dans lequel il doit célébrer la messe. Alors quand certains prêtres célèbrent la messe juste en étole, sous couvert de faire simple, ce qu'ils mettent en avant, c'est quoi ? L'autorité. Vaudrait mieux juste mettre la chasuble. Mais vous voyez bien que l'idéologie de pouvoir faire simple est finalement un contre-témoignage de ce que les choses veulent dire. Ça va ? Je ne vous ai pas perdu ? Une fois qu'on s'est habillé. Alors, à les couleurs, on verra ça une autre fois. Mais c'est parce que ce soir, on est sur les choses. Effectivement, la procession se met en marche, la cloche sonne, et il y a un chant d'entrée, un processionnal. C'est-à-dire que le chant d'entrée accompagne une procession. Dans la liturgie catholique, la musique n'est pas un but en fin, elle n'est qu'un moyen. Et donc la musique accompagne l'action liturgique. Je vous donne un exemple, c'est facile. Ici, je trouve que les chorales font ça très bien. C'est-à-dire que le chant commence du moment où la procession commence à sortir jusqu'à ce que le prêtre soit au siège. Si sur la feuille de chant, il reste 3 couplets, eh ben le prêtre n'a pas à attendre. Quand il est en place, l'action liturgique commence, on n'attend pas que la chorale ait fini de chanter ces 3 couplets qui restent sur la feuille de chant. Parce que là, le chant dans la liturgie n'est là que pour accompagner l'action du prêtre, c'est-à-dire l'action liturgique. Ce n'est pas au prêtre d'attendre que la chorale puisse terminer de chanter. À ce moment-là, ce serait le prêtre qui serait au service d'un concert donné par la chorale. Et si, sur la feuille de chant, il manque des couplets, parce que le prêtre, finalement, il est lent, qu'il n'est pas encore arrivé et qu'il est encore en train d'encenser l'autel, eh bien, la chorale reprend les couplets ou continue jusqu'à ce que le prêtre soit au pupitre, parce que la musique liturgique accompagne l'action liturgique du prêtre. Et donc, c'est à l'organiste. C'est pour ça qu'il y a des improvisations à l'orgue. Parce qu'en fonction, si c'est un vieux chanoine ou si c'est un jeune prêtre qui est un peu speed, eh bien, les morceaux sont plus ou moins longs. Et donc, du coup, un bon organiste liturgique n'est pas un organiste concertiste. Un concertiste, il joue son morceau, il a fini, on l'applaudit. Un organiste liturgique, il a un œil sur sa partition, sur son clavier et sur ce qui se passe dans le chœur.
Et s'il voit que le prêtre est encore en train de faire un truc, il continue d'improviser, il fait des reprises, il fait des machins, jusqu'à ce que le moment, le mouvement, pour être précis, le mouvement soit terminé et que l'action liturgique continue. D'accord ? Donc la cloche sonne, la procession commence. Comment s'oriente la procession ? Comment elle se met en place ? Qu'est-ce qui est devant ? Non ? Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Les enfants de cœur se taisent. L'encens. On va parler d'une messe. Encens d'abord. Derrière l'encens, la croix. Accompagnée de cierges. Les cierges. Ensuite, les enfants de cœur. Ensuite, potentiellement, l'évangélière. Et ensuite, les prêtres, diacres et le prêtre qui préside. Et si c'est l'évêque, l'évêque en dernier. Ok. Pourquoi est-ce que c'est dans cet ordre-là ? Il y a là un gros symbolisme biblique. Rappelez-vous, là, alors déjà, la procession d'entrée symbolise que le peuple, l'Église, est un peuple en marche. Parce qu'on pourrait très bien s'habiller, aller s'asseoir en attendant, et quand c'est le début de la messe, allez hop, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et on y va. Il y a, le dimanche particulièrement, systématiquement une procession d'entrée. Parfois, on la fait plus courte que d'habitude, parce que la procession fait partie intégrante de la messe. Elle nous rappelle que nous sommes le peuple en marche, que nous sommes à la suite du Christ, que nous marchons derrière le Christ. Ok ? Du coup, vous comprenez mieux la place de la croix. La croix qui marche avec... Mais devant, il y a l'encensoir. C'est quand même bizarre. Eh bien non. C'est un souvenir vétérotestamentaire. Dans le livre du Deutéronome de l'Exode, lorsque le peuple de Dieu marche dans le désert après sa sortie d'Égypte, qu'est-ce qui marche devant le peuple de Dieu dans le désert ? La colonne de nuée, qui est la présence de Dieu. Dieu marche devant. Et donc l'encens, c'est le rappel de la colonne de nuée de l'Ancien Testament, de Dieu qui marche devant son peuple pour le sortir du désert, pour le conduire sur la terre promise. Et quand la messe commence, nous marchons à la suite de Dieu pour aller dans notre terre promise, la patrie du ciel. Dans cette nuée se donne à voir la croix du Christ. Dieu nous a préparé la venue de son Fils, la croix, le salut. Et donc, dans la nuée, de la nuée, surgit la croix. Et le Christ est parole de Dieu, lumière de Dieu. Elle nous apporte le salut, la lumière de Dieu. Et la croix est entourée des cierges. Et rien que dans cet encensoir croix-cierge, il y a toute une théologie beaucoup plus profonde que de dire « Tiens, le curé, il avait envie de faire de l'encens aujourd'hui. » Vous voyez ? Voilà, la procession d'entrée, c'est pour ça qu'elle est vachement importante et qu'on prend des chants qui accompagnent ce mouvement-là. On va prendre un chant qui est d'allant, on appelle ça d'ailleurs un processionnal. Ok ? Donc vous voyez, rien que l'ordre, encens, croix, cierge, c'est toute la redite Ancien-Nouveau Testament. Parce que dans la liturgie catholique de la messe, toute la messe, elle est constamment une continuité Ancien Testament-Nouveau Testament. On vit toujours des passages de l'Ancien au Nouveau. Et vous allez le voir au fur et à mesure de la messe. Ça va ? Vous êtes d'accord, monsieur les abbés ? Si la semaine prochaine, vous ne vous retrouvez plus, c'est qu'ils ont écrit au Saint-Office que je suis... J'ai été mis à l'index et que je suis à Castel Gandolfo. Voilà. Donc, le pape n'y est plus. Bon. Alors, à la tour, le Château Saint-Ange, pardon. Voilà au Château Saint-Ange. Dans les souterrains du Vatican. Bon, donc, procession d'entrée. Les prêtres arrivent, et là, vous voyez qu'on arrive au sanctuaire, à l'entrée du chœur. La place de l'église est importante. La procession d'entrée se fait toujours au milieu du peuple. Tout le peuple, toute l'assemblée ne peut pas faire la procession tous les dimanches. Et donc, la procession passe au milieu du peuple pour que la nuée arrive et que le peuple de Dieu soit pris dans cette procession qui va vers l'autel. Là, il y a quelque chose qui se passe en fonction des configurations des églises. Sarrebourg, on fait juste une inclination quand on arrive. Pourquoi ? Parce que le tabernacle, la chapelle Eucharistie, n'est pas dans le chœur, il est dans une chapelle latérale, ce qui est la norme depuis le Concile Vatican II. Le tabernacle ne doit pas être en principe dans l'axe de l'autel. Il doit être dans une chapelle latérale pour pouvoir bien distinguer la célébration de la messe où Jésus se rend vraiment présent. Parce que s'il est déjà là, c'est un peu nul. Donc, comme il est déjà là, on le met dans la chapelle d'à côté pour que la messe qu'on célèbre ait tout son sens
ou on le rend présent à l'autel. Mais s'il est déjà là, ça perd un peu de son sens, d'accord ? C'est pour ça que dans les églises, on a souvent déplacé les tabernacles dans une chapelle latérale, sauf si on prend par exemple la plupart des autres églises de notre communauté, où il y a encore le maître-autel derrière, il est encore au tabernacle. Mais ça, c'est une anomalie liturgique, parce qu'il n'y a qu'un autel dans le chœur, il n'y en a pas deux, ce qui fait qu'on a un autel, un deuxième derrière, ce n'est pas cohérent. Je ferme la parenthèse. Voilà. Du coup, si le tabernacle est là, eh ben le tabernacle est là, genuflexion. Parce que devant le corps du Christ, on met un genou à terre. Si il est dans une chapelle latérale, comme à Saint-Barthélemy, à ce moment-là, on s'incline profondément, mais on ne met pas genou à terre. Voilà la différence. Donc quand vous rentrez dans une église, ne faites pas systématiquement la genuflexion. Regardez, ah, le Saint-Sacrement est là-bas, donc je m'incline juste. Si vous arrivez devant le Saint-Sacrement, vous génuflectez. Mais on ne génuflecte pas devant l'autel, sauf pendant la messe, quand la consécration a été faite et que Jésus est là. Et vous remarquerez que quand les prêtres passent devant l'autel, ils s'inclinent, et il y a un moment où ils génuflectent, parce que la messe a eu lieu, que Jésus est réellement présent, les saintes espèces sont présentes, donc Jésus étant là, on génuflecte. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre avant et pendant la messe, l'attitude du prêtre change vis-à-vis de l'autel. Ok ? Bon. Donc on s'incline, on va derrière l'autel, on vénère l'autel, on l'embrasse. Pourquoi ? Parce que l'autel est la partie la plus sacrée de l'église. S'il y a une chose qu'il ne faut absolument pas profaner dans une église, c'est vraiment l'autel. D'ouvrir le tabernacle, sortir les saintes espèces, c'est atroce, etc. etc., etc. C'est une attaque au corps du Christ, etc. C'est grave, mais c'est encore plus grave de profaner l'autel. Parce que c'est la partie. On pourrait très bien avoir une église sans tabernacle. Parce qu'en rigueur de terme, nous devrions consacrer à chaque messe le nombre d'hosties qu'il faut pour les gens qui sont là. D'où vient le fait qu'on ait des tabernacles ? Tout simplement parce que pour pouvoir porter la communion aux malades et aux mourants. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu des frigos à Jésus. On a des ciboires pleins. Alors qu'en rigueur de terme, une hostie ou deux, ça doit juste suffire à ça. Et on doit veiller à pouvoir consacrer à chaque messe ce qu'on consomme. Si un prêtre ne consomme pas ce qui a été consacré pendant la messe, il n'a pas dit sa messe. Pour nous, les prêtres, c'est une obligation de consommer les hosties consacrées à la messe. Donc là, on vénère l'autel parce que l'autel, c'est la partie la plus importante de l'église. Ce n'est pas en rigueur de terme le tabernacle, surtout au moment de la messe. À la messe, tous nos regards s'orientent vers le Christ. Parce que dans la foi catholique, l'autel, c'est le Christ. C'est le Christ. C'est le Christ. C'est pour cela qu'on respecte l'autel, qu'on s'incline devant et qu'on le vénère. Et c'est pour ça que quand on est à l'autel, on a les prêtres, on a des attitudes, on met les mains sur l'autel, on s'appuie sur le Christ. C'est pour ça que sur un autel, on ne passe pas de bazar. Si je fais un bricolage, je ne pose pas ma visseuse sur l'autel. C'est le Christ. L'autel est consacré avec le Saint-Crème comme nos fronts à nous, comme les murs de l'église. Si vous avez été à Bulle il y a un mois maintenant, l'évêque a consacré le nouvel autel devant l'ancien, c'était un peu nul, mais c'est comme ça, et il a consacré le nouvel autel et il l'a complètement oint, chmiré du Saint-Crème. D'accord ? Et donc, comme le front d'un baptisé. Comme le front d'un baptisé. Et donc l'autel est... Et c'est pour ça qu'on ne pose pas de fleurs dessus. Parce que c'est le Christ. Quand on offre des fleurs à quelqu'un, on ne lui met pas sur la tête. On lui donne et on lui met devant. Et bien quand on offre des fleurs au Christ, à l'église, on lui les dépose devant, on ne les met pas dessus. Les seules choses qui sont permises de poser sur l'autel en rigueur de thème, c'est ce qu'il faut pour la messe. Et on peut dire la messe sans fleurs. Sur l'autel, les seules choses qui sont permises d'être posées, c'est les cierges. Et encore, il serait mieux qu'ils soient sur des candélabres de côté. On les pose par commodité, mais les cierges, une croix, la nappe, missel, calice et patène, c'est tout. Même les burettes sont sur une crédence à côté. Il n'y a rien d'autre sur l'autel. On ne met pas le livret de chant, on ne met pas... Alors non, nous, on a la feuille de chant, on a le bulletin paroissial, ok, ça passe. Mais on a un porte-missel et on le met sur le porte-pupitre pour pas que ce soit posé en rigueur de terme sur l'autel. Parce que pour nous, catholiques, l'autel, c'est le Christ. Et c'est pour ça qu'on l'encense au début de la messe. Parce que c'est le Christ et que l'encens est réservé à la divinité. Et vous remarquerez que quand les prêtres circulent autour d'un autel, ils tournent toujours dans le même sens. Vous avez remarqué. Toujours de la droite vers la gauche. On arrive, sauf quand on est plusieurs, on fait comme ça. Mais le prêtre qui préside,
fait toujours de la droite vers la gauche, on va toujours vers Dieu par le chemin du droit. Et donc quand le prêtre célèbre la messe, il doit aller vers le chemin qui conduit à Dieu, le chemin du droit et de la justice. Il prend toujours, on contourne et on encense toujours par la droite. Vous n'avez jamais remarqué ? Et voilà, c'est parce que c'est comme ça. Voilà, on prend c'est le chemin du droit qui conduit à Dieu, le chemin de la justice. Ok ? Donc, le prêtre a vénéré l'autel parce qu'elle contient aussi des reliques de saints. Ça, on pourra en aborder une autre fois, mais je vais vite parce que l'heure tourne. Il vient à l'autel. Et là, il va au siège de présidence. Une fois qu'il a encensé l'autel, qu'il a vénéré l'autel, qu'il a encensé l'autel, il va au siège de présidence. Parce qu'on ne préside pas à l'autel. En principe, on a un lieu pour présider. Il y a trois endroits importants pour la messe. Le siège de l'autel, l'ambon et le siège de présidence. On ne préside pas à l'autel. Le prêtre ne vient à l'autel que pour la prière eucharistique, pour la consécration. Quand il agit vraiment une persona Christi, et avant, il préside au nom du Christ, mais c'est déjà un peu moindre. Et donc, il est au siège de présidence, et c'est de là qu'il préside la messe. Ok ? C'est pour ça qu'il y a trois points différents. Le siège de présidence, c'est vraiment... c'est pas un gadget. C'est pas juste un fauteuil sympa pour que le curé soit mieux assis que les autres. Parce que quand le prêtre célèbre, il le fait au nom de l'évêque, il le fait au nom du Christ. Il est là, in persona Christi capitis. Au nom du Christ, tête. C'est-à-dire que le prêtre, il est là comme la tête. Il agit au nom du Christ, qui est la tête, qui est celui qui nous dirige. Donc le prêtre préside la messe. Dans la mesure du possible, le prêtre ne préside pas à l'autel. D'accord ? Ok. Là, il fait le signe de croix, tout va bien, on se signe en souvenir de notre baptême, la salutation se dit, et donc, le Seigneur soit avec vous, soit avec votre esprit, c'est une salutation liturgique, c'est un souhait qu'on adresse à toute la communauté. Et là, la messe commence par la préparation pénitentielle, c'est-à-dire qu'on reconnaît que nous sommes pécheurs et que si on vient à la messe, c'est justement que nous avons besoin d'être sauvés, que nous avons besoin du salut, etc. Et on reconnaît que même si on a été baptisé, on a besoin de la miséricorde de Dieu. Cette préparation pénitentielle nous lave des péchés véniels. Les péchés véniels, c'est les petits péchés, les grains de sable. D'accord ? Donc chaque fois qu'on va à la messe et qu'on a la préparation pénitentielle et que le prêtre dit que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous pardonne nos péchés véniels, et il nous conduise à la vie. Donc chaque fois que vous faites tomber un truc, vous dites « non, 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 quand vous avez ça, c'est un péché véniel. Voilà, ok. C'est pas top, c'est pas gravissime, mais quand même, ça n'embellit pas notre âme. Enfin, voilà. De même, quand vous rentrez à l'église et que vous vous signez avec l'eau bénite, ça vous lave de vos péchés véniels, en souvenir de votre baptême. C'est pour ça que parfois, au début de la messe, il y a trois formules pour reconnaître que nous sommes pécheurs. Il y a le « Je confesse à Dieu Tout-Puissant » qui est la prière de toute l'Église. « Je reconnais que j'ai péché ». La deuxième formule, c'est les intentions chantées « Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ». Et la troisième, c'est « Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché ». Ça a changé, mais c'est une formule très courte. Et la quatrième, qu'on emploie particulièrement pendant le temps pascal, mais qui n'est pas réservée au temps pascal, c'est l'aspersion où le prêtre dit aux gens, si vous êtes pardonné de vos péchés, c'est parce que vous avez été plongé dans l'eau du baptême. Et le prêtre, il ne s'amuse pas, je prie de ces gens parce qu'il est sadique. Oui. Il y en a qui moulent plus que d'autres. Exactement. Et encore, ils n'ont pas encore eu mon aspersion. C'est juste que ça nous rappelle que notre baptême nous a lavé de nos péchés. C'est pour nous rappeler que notre baptême nous a lavé. Donc on est aspergé en souvenir. Et ça rappelle, cela dit, quand il y avait des sacrifices dans l'Ancien Testament, les prêtres aspergeaient les gens avec le sang du sacrifice. Et on entend parler de ce texte-là à Pâques. Okay ? Quand Moïse, ils mettent le sang sur le linteau, et il asperge aussi les gens avec le sang des agneaux, pour pas qu'ils se fassent tuer par l'ange qui passe. Ok ? Donc vous voyez, Ancien Testament, Nouveau Testament, il y a toujours des liens. De là... comme on est pardonné par la miséricorde de Dieu, c'est pour ça qu'à titre personnel, j'aime à dire, comme nous avons été rejoints par la miséricorde de Dieu, parce qu'il nous a pardonné, nous chantons sa gloire. Et là, c'est pareil, c'est le Gloria, c'est propre à toute église, c'est un texte qui est prédéfini, c'est gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui aiment, nous te le disons. C'est pas gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre, c'est pas gloire à Dieu, Seigneur des univers. Non, ça c'est des petits chants qui sont très mignons, qu'on peut prendre à d'autres moments de l'année, à d'autres moments de la messe pour dire qu'on est content et qu'on loue le Seigneur, mais ce ne sont des chants qui ne peuvent pas remplacer le gloire à Dieu. C'est pour ça que si une chorale
ne prend pas le vrai gloire à Dieu, moi je dis gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que le gloire à Dieu, c'est l'hymne national de l'Église. Et qu'on ne changerait pas les paroles de la Marseillaise. On est d'accord. Si vous allez le 11 novembre prochain avec chez Monsieur Marty et que vous lui chantez, j'ai fait à l'église l'autre jour, allons enfants de notre pays, le jour de fête c'est aujourd'hui, contre tous les méchants allemands, on les a bien foutus dehors, on les a bien foutus dehors. C'est peut-être l'air, c'est pas la Marseillaise. Rappelez-vous la polémique il y a 3 ans quand des abrutis ont voulu changer une phrase, qu'un sang impur abreuve nos sillons, parce qu'ils avaient oublié ce que c'était, ce que ça voulait dire et que ça a fait une tollée. Eh bien, l'hymne de l'Église, c'est gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et on ne change pas les paroles. Voilà. Donc là, gloire à Dieu. Ok. Ensuite, il y a la prière qu'on appelle la collecte. Le prêtre ouvre les mains. Alors, c'est la prière chrétienne de prier. On ouvre les mains comme ça devant le Seigneur. Pas comme ça. Alors, je sais que quand on prie le Notre Père, comme on est dans les bancs, beaucoup font comme ça. Ça, c'est l'attitude de prière musulmane. Les musulmans prient comme ça. Si vous allez chez les chrétiens d'Orient, particulièrement en Irak ou chez Mgr Aldo Berardi, qui est un enfant de mon ancienne paroisse, j'étais au Bahreïn pour son consécration épiscopale le 19 mars dernier. Si vous allez dans l'église, vous priez comme ça, vous faites lyncher par tous les chrétiens qui sont là. Ça, c'est... Et regardez les matchs de foot. Les joueurs musulmans, quand ils marquent un but, ils font... C'est ça, c'est le geste de prière musulman. Un chrétien fait comme ça. C'est la prière de l'orante. Ça, c'est musulman. Alors, si on veut être discret, à la limite, si vous gardez les mains comme ça devant vous, les mains jointes, c'est pas ça. Mais ça, c'est le geste de prière musulmane. Donc, faites pas ça quand vous allez si vous allez à Jérusalem, ça, faites pas ça dans les églises, vous allez vous faire lyncher. Hein. Un chrétien prie comme ça. Ok? Je vous le signale. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je vous donne le sens des gestes. Hein. Ok? Les prêtres prient comme ça. Pendant la messe, on est comme ça. C'est l'union de l'âme et du corps, orientée vers Dieu. Ça nous rappelle que notre âme et notre corps... Bon. Ok. Là, il y a la prière d'ouverture. Oraison. Prions le Seigneur, temps de silence. Le temps de silence, ce n'est pas parce que le prêtre est en train de regarder la prière, est-ce qu'il a la bonne page, et il est en train de décrypter dans sa tête comment il va la chanter. Non. Prions le Seigneur, c'est une invitation à ceux qui sont là à prier les intentions que eux, ils ont dans leur cœur. Donc quand le prêtre dit, prions le Seigneur, et qu'il y a un temps de silence, chacun de vous, chacun de nous dans son cœur dit, bah écoute Seigneur, je te confie mamie Germaine parce qu'elle n'est pas en forme, je te confie mon petit-fils parce qu'il a du travail, et puis je te prie pour, voilà. Et il y a un petit temps de silence pour que chacun exprime sa prière. Et toutes les prières de tout le monde, le prêtre les rassemble, il rouvre les bras, et il y a la prière qui s'appelle la collecte, parce qu'on collecte les prières de tout le monde, et dans une seule prière qui est souvent neutre et de mauvaise traduction, on adresse quelque chose au Seigneur, qui a plus ou moins du sens pour nous aujourd'hui, parce que c'est des prières anciennes qu'on a traduites sans les changer. Parfois, elles sont un peu capillotractées, mais adaptées à des moines du XIIe siècle, mais pas forcément à une famille de 2023. 30e dimanche, allez, on prend une plus vieille, allez, qu'on a entendue il y a longtemps. 20e dimanche ordinaire. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Voilà, c'est la prière que le prêtre dit. C'est une prière qui est faite pour collecter tout ça et qui nous invite à aller dans quelque chose de plus grand et d'au-delà de nos petites préoccupations, de Tati Germaine, de tout ça. Et de se dire que le but de notre vie, c'est aussi d'arriver dans la patrie du ciel. Et c'est pour ça que ces collectes sont toujours high level. C'est toujours un but, ouf, waouh. Parce que le but quand même, c'est de sortir grandir. C'est pas de rester là à prier pour nos petits bobos. Mais c'est aussi de vouloir agrandir sainteté. Et c'est pour ça que la prière de collecte, elle est toujours un peu hardcore. Ok? Une fois qu'on a entendu, on s'assied, et c'est les lectures, et il y en a 4 pendant la messe. La première lecture, qui est extraite du Ancien Testament. Ensuite, il y a le psaume. Le psaume, c'est la parole de Dieu. On ne le change pas par un cantique qu'on aime bien et qui va bien. Par exemple, « Comme un souffle fragile, ta parole... » Non, ça, c'est pas un psaume.
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des pierres, ça c'est un psaume. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur Dieu. Ça c'est un psaume. Mais tous les trucs dans nos silences, Seigneur, viens nous sauver. Non. Et je vous parle pas de toutes les Djanadari qui n'ont rien à faire dans la messe. Avec tout le respect que je porte à M. Djanada, ces chants sont très bien pour des veillées de prière, mais ils ne sont pas faits pour être mis dans la messe. Ok ? On va trouver dans Paris de l'essence, tenir son moteur allumé. Pardon. Ben, vous voyez ce que je veux dire. N'est pas un psaume. Voilà. Même si c'est numéro 1 au top 50 des demandes des gens. Voilà. Le psaume, c'est la parole de Dieu. Et les psaumes sont magnifiques. Les psaumes, c'est la prière du peuple de Dieu qui sont adaptés à toutes les situations. Et il y en a des magnifiques. Il y a des psaumes où clairement le peuple crie « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fous ? On est dans la mouise et tu fais rien !» Ça peut nous parler, parfois, quand on est au fond du trou. Il faut laisser les psaumes, il faut se laisser toucher par les psaumes. C'est pour ça qu'avec le Père Francis, à partir du première semaine de l'Avent, avant la messe de 8h30, on proposera à ceux qui veulent de nous retrouver pour prier les laudes. J'ai prévu les bréviaires et les psautiers à l'église, il y a tout ce qu'il faut. Ceux qui voudront prier les laudes avec nous le mardi et le vendredi avant la messe, eh bien, seront les bienvenus. On va commencer ça bientôt. Ok ? Très bien. Psaume, deuxième lecture qui est extraite du Nouveau Testament. Pour ces lectures-là, vous remarquerez qu'on est assis. On est assis, on est ABC, oui, on est assis. Et pour la lecture, là aussi, c'est un truc qui est important. Le missel est très clair. Le lecteur ne fait que prêter sa voix. Il n'interprète pas le texte. Ce n'est pas lecture de la lettre de Saint Paul. Frères, sœurs, parmi les dons de Dieu, recherchez ce don. On n'interprète pas le texte. Parce que le texte doit pouvoir, par lui-même, toucher le cœur de celui qui le reçoit. C'est-à-dire... Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. On s'arrête, on regarde les gens, et ensuite on lit, on ne regarde plus les gens. Parce que ce n'est pas moi qui parle. C'est la parole de Dieu. Et donc je prête ma voix en disant, frère, parmi les dons, cherchez ce qu'il y a de plus important, tatata. Et là, quand on énumère les dons, peut-être que vous, ce sera la charité, vous, ce sera ceci, vous, ce sera cela, tatata. Et en prêtant juste sa voix, sans interpréter le texte, on laisse le texte toucher le cœur de chacun selon ce qu'il a besoin. Mais si j'interprète et si j'accentue des mots, je commence à orienter la compréhension du texte. Vous voyez ? Ça, c'est important. Et à la fin, quand on a terminé, parole du Seigneur, on regarde les gens et on s'en va. OK. Bon, voilà. Voilà, et on fait une coupure. On enchaîne pas. La charité. Et on n'oublie pas de dire lecture de... Oui. Et on dit lecture d'eux. On dit d'où ça vient. Ensuite, c'est l'évangile, on se lève. Pourquoi? Parce qu'à l'évangile, c'est le prêtre ou le diacre qui dit cela. Ça devient un acte in persona Christi. Ce n'est plus quelqu'un qui prête sa voix, c'est Jésus lui-même qui nous parle. Quand le prêtre, et c'est pour ça qu'il y a acclamons la parole de Dieu à la fin, qu'il y a une salutation plus grande. Parce qu'au moment où on lit l'évangile, c'est comme si Jésus lui-même nous disait le texte là maintenant, dans la conception catholique. Hein, je vous dis encore ce que l'Église croit. Hein, voilà. Et donc ça, c'est important. Alors là aussi, je vous disais, dans toute la liturgie catholique, c'est toujours un passage d'Ancien Testament au Nouveau Testament. Okay ? Au fur et à mesure qu'on vit les choses de la messe, ça doit nous transformer, ça doit nous apporter quelque chose. Ça veut dire que dès qu'on reçoit quelque chose, on n'est plus pareil. On commence la messe, on est lourd, on arrive de la vie, on a fait le processionnal d'entrée, pouf, ok. Dieu nous pardonne nos péchés, ah, on est déjà plus léger, on chante sa gloire, ben oui, on est content, il nous a pardonné, il nous nourrit par sa parole, et là, on l'acclame parce que c'est Jésus, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle, et dans l'évangile, il n'y a que des versets qui sont là pour nous annoncer le salut, donc on se lève et on est dans la joie, on chante Alléluia, qui est une acclamation de joie, parce que oui, voilà, Dieu m'a pardonné, j'ai chanté sa gloire, j'ai pu prier, j'ai reçu l'Ancien Testament, le Nouveau Testament qui me permet de comprendre, et là, c'est l'évangile, le centre de notre foi. Et donc je suis debout et j'écoute avec attention. Ce qui veut dire que l'évangile, c'est pour ça qu'on encense et on emploie de nouveau l'encens à ce moment-là. D'accord ? On encense l'évangile parce que c'est à nouveau Jésus. À chaque fois qu'on encense quelque chose dans la liturgie, c'est parce que ça nous renvoie au Christ, à la présence du Christ. L'autel, l'évangile. Et pendant qu'on lit l'évangile, vous avez remarqué que les enfants de cœur, ils font quelque chose avec l'encensoir.
Ils vont de nouveau devant et ils valent. Ben, ça rappelle de nouveau la colonne de nuée. Dieu parle à travers la colonne de la nuée. Et ça permet aussi, d'une certaine façon, de faire que le prêtre disparaît un peu par cet écran de fumée et qu'on est plus que sensible à la parole de ce qu'on entend. Et il y a un travers qu'on a dit au prêtre et au diacre de faire, mais qui n'est pas juste. Quand on a terminé, ça... Acclamons la parole de Dieu. C'est une hérésie. C'est de l'hérésie. Faut la tourner. Non, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est un bouquin. La parole de Dieu, c'est ce qu'on vient d'entendre. Et ce qu'on acclame, c'est pas le bouquin. C'est ce qu'on vient d'entendre. Donc, acclamons la parole de Dieu. Pour bien manifester que ce qui nous nourrit, c'est ce qu'on vient d'entendre. Et que si je lève le livre, je laisse entendre que c'est le livre qu'il faut... Non, ça reste un objet où il y a la parole de Dieu, l'évangile et tout, mais c'est pas le bouquin que j'acclame. C'est Jésus qui vient de me parler. Et c'est pour ça que vous ne me verrez jamais lever le livre et faire... Acclamons la parole de Dieu. Alors, malheureusement, dans une certaine époque, on a dit qu'il fallait faire ça. Alors, il y en a parfois, ça devient ridicule parce qu'ils croisent les bras, ils font comme ça. Non, on ne fait pas ça. On acclame ce que l'on vient d'entendre. Et là, il y a une erreur qui arrive parfois aussi. On ne chante plus Alléluia. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus, parce que l'Alléluia, on l'a chanté avant l'Évangile. Mais comme l'Évangile nous a changé, on ne revient pas en arrière. La liturgie continue, on va de l'avant. Donc, je ne reprends pas l'Alléluia. On continue à acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On dit bien louange à toi, Seigneur Jésus. Ça montre bien que dans ce qu'on dit, on reconnaît que Jésus vient nous parler. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous voyez cette phrase, elle est pas innocente. Alors, j'ai oublié la triple signation au début. Pour rappeler que l'évangile doit changer nos esprits, notre manière de vivre, de parler et nos cœurs. À ce sujet, on attend de savoir quel évangile on va entendre avant de se signer. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Oui, que cet évangile selon Saint-Luc change ma... C'est pas évangile. Non. On attend de savoir ce qui va nous changer pour le faire. C'est logique. Et si vous voulez être vraiment allé au bout du truc, la main ouverte, comme pour la communion. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, je la reçois, je ne la prends pas. Je l'accueille. L'hostie, je l'accueille. Je ne l'attrape pas au vol. Je ne me communie pas moi-même. Je reçois le corps du Christ. Vous voyez, j'avais un peu plus loin. Mais quand on se signe la main ouverte. Pour nous rappeler déjà que je reçois cette parole de Dieu, que je ne la prends pas. Ça peut être futile tout ça. Mais si on a l'esprit à se dire, ben, la parole je la reçois, je laisse ma main ouverte, je vous garantis qu'on est dans une autre attitude pour l'entendre. Ouais, tout ça c'est du détail, ça peut être fumeux. Ben ouais, mais il n'empêche que l'amour se cache souvent dans les détails. Et on dit que le diable se cache aussi dans les détails. Ouais. Mais quand quelqu'un vous fait un cadeau, quand vos enfants vous ont offert des trucs immondes pour la fête des mères, vous les avez accueillis en étant contente, même si c'était moche. Soyez honnête. Parce que tout simplement, vous savez qu'il y a eu l'intention d'y mettre tout l'amour dedans. Et ben, quand on va à la messe, tout ça, ça peut paraître stupide et que ça changera pas la face du monde, c'est vrai. Mais chaque petit geste peut nous dire l'amour et l'attention qu'on met dans ce qu'on vit. Et ça, c'est important. C'est comme quand quelqu'un nous demande un truc, soit dans les fêtes, on peut lui jeter à la gueule, hein, et on peut lui donner gentiment. Dans les fêtes, il l'aura, mais il l'aura pas reçu de la même façon. Eh bien, c'est pareil, quand on reçoit l'évangile, voilà, ça c'est pour vraiment si on veut aller au bout du geste. Ok. Donc on revient pas en arrière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est toi qu'on vient d'entendre. C'est pour ça que le livre, on ne le lève pas. Après, on va le mettre sur une place bien belle, si c'est l'évangéliaire, on le met, etc. Parce qu'on respecte l'évangéliaire en tant que tel.
Mais ce n'est pas l'évangéliaire qu'on acclame. C'est le Christ qui vient de nous parler. C'est pour ça que l'évêque, quand l'évêque est là, on lui présente l'évangéliaire, il l'embrasse, on embrasse l'évangile, le prêtre embrasse l'évangile à ce moment-là, il l'embrasse à la fin en disant que cet évangile, quand on a terminé de le proclamer, le prêtre embrasse l'évangile en disant dans son cœur que cet évangile efface nos péchés. N'est-ce pas, monsieur l'abbé ? Oui. Mes péchés. Voilà. Et donc, là, on l'apporte à l'évêque. C'est l'évêque qui vénère le livre. Il donne la bénédiction avec, la bénédiction de l'évangile, et on va le déposer dans un... On ne pose pas le livre de la parole comme ça sur un coin. Est-ce que vous pouvez aussi expliquer comment lier ce que vous dites quand le diacre demande de bénir avant l'évangile? Ah. Le diacre vient voir le prêtre. Ah oui, c'est vrai que le diacre vient demander au prêtre la bénédiction. Père, bénissez-moi. Et le prêtre dit que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, vous puissiez annoncer la bonne nouvelle à vos frères. Quand c'est l'évêque reste assis. Quand c'est un prêtre qui donne la bénédiction au diacre, et d'usage, ce n'est pas une règle absolue, mais il se lève. C'est la différence entre l'évêque qui est toujours assis et le prêtre qui se lève. Ça marque une différence de degré. Mais c'est pas ça, ça reste du pinaillage. Mais moi, je me lève. Mais l'évêque reste assis. Ok ? Voilà. Quand on va dans le détail. Hein, voilà. Donc, on a eu l'évangile. On a la profession de foi qui enchaîne. Là, la profession de foi. Il y a l'homélie. Ou le sermon. Ça dépend du ton qu'on emploie. L'homélie, c'est pas un cours de religion ou un développement théologique. On n'utilise pas la messe d'abord pour faire apprendre des notions théologiques majeures. L'homélie, elle est là pour éclairer les lumières, les textes qu'on vient d'entendre et nous faire grandir dans notre vie spirituelle avec des précisions, des choses comme ça, si vous voulez. Mais c'est pas dans l'homélie que je vais faire un cours de théologie magistrale sur le sens du péché chez saint Thomas d'Aquin. C'est pas le lieu. Il y a une différence. Pour ça, je vous inviterai à venir un soir, si vous voulez, on fait une conférence sur le sens du péché chez saint Thomas. Mais ce n'est pas dans le cadre de l'homélie qu'on fait ça. Okay ? Mais on ne fera pas un truc sur saint Thomas, vous n'allez pas. Ensuite, il y a la prière, il y a la profession de foi. Là, c'est pareil. Si le Gloria, c'est l'hymne national, la profession de foi, c'est la constitution. On ne touche pas à la constitution. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, etc. Et c'est pas « Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie » ou « Je crois, Seigneur, ton amour est puissant », je sais pas quoi. C'était très à la mode, j'ai connu ça enfant, ça vous rappellera peut-être des vieux souvenirs. Non, le credo, c'est le credo, d'autant plus qu'il est propre aux catholiques, protestants, orthodoxes et à tout le monde. Donc s'il y a bien un truc qu'il ne faut pas toucher, c'est le credo. Et ouais, donc, voilà, on ne chante pas le credo. Il y en a deux, il y en a trois. Il y a le symbole des apôtres, le court, Nice et Constantinople, le long, et il y a le symbole baptismal. Voilà. Croyez-vous en Dieu le Père ? Oui, je vois, question-réponse, dialoguer. Ok ? Bon, ça on ne touche pas. Ensuite, c'est la prière universelle, et pas les prières universelles. Parce que depuis le début, on est tous dans la même prière. C'est jusqu'à ce moment-là, la prière de l'Assemblée devient universelle. Et on élargit notre prière aux dimensions de l'Église. Toujours, l'ordre est toujours le même. Pour l'Église, pour nos gouvernants, pour une intention particulière, pour notre communauté. Et c'est la prière universelle. C'est notre prière qui, comme quand on jette un galet dans l'eau, pour l'Église, pour tous les chrétiens du monde, pour nos gouvernants, pour nos dirigeants, pour une raison particulière, pour toutes les personnes qui se dévouent au service de la charité, pour les jeunes rassemblés au JMJ, pour les victimes d'une catastrophe au Maroc. La troisième, selon les besoins du moment. Et la quatrième, pour notre communauté. Pour notre communauté. Quatre intentions, comme ça, c'est la prière qui devient universelle. En principe, la prière universelle est toujours lue par le diacre. C'est le diacre qui doit lire la prière universelle.
parce qu'il y a les équipes liturgiques, etc., on ne le fait pas, on ne le fait plus, on fait plus trop. Mais sachez qu'en rigueur de terme, comme l'évangile, s'il y a un diacre, la prière universelle est lue par le diacre. Parce que le diacre, il est là comme serviteur, et en faisant ce service, il effectue son service de diaconie, de pauvre. Et donc, c'est celui qui a la responsabilité du service de la diaconie d'apporter ses intentions de prière au monde. Ok ? Voilà, encore une fois, je vous dis la norme. Vous savez bien qu'entre l'idéal et nos réalités, on s'adapte, on fait ce qu'on peut. Mais je vous le signale comme ça. Ensuite, c'est là qu'on arrive à plein de choses qu'il faut revoir. Parce que là, vous y a plein de choses. Oui. Bon, ça, c'est pas ce qu'on le veut. Mais ça peut, on n'est pas obligé de chanter un repas. Alors, pour être puriste, le prêtre fait l'introduction, on lit la première intention et ensuite seulement on chante le refrain. On ne chante pas le refrain avant l'intention. Voilà. En principe, c'est ça. Et on n'est pas obligé de prendre un refrain, on peut juste prions et garder un temps de silence. Deuxième intention, prions, temps de silence. On a fait dimanche. Ce qu'on a fait dimanche. Voilà. C'est permis. Pas obligé d'avoir un refrain. De même que la prière universelle, elle est recommandée, mais elle n'est pas absolument obligatoire. On pourrait très bien dire, pendant le temps de l'Avent, on ne fait pas de prière universelle. Voilà. Et on en fera une plus belle pendant le temps de Noël. Voilà, ça. On peut, voilà. Mais ça, c'est... Une équipe peut très bien dire, j'en fais pas. Voilà. Donc, ça n'est pas absolument nécessaire. C'est important. Voilà. Ok ? Alors là, on arrive à une partie plus grosse. On a amené plein de choses pour vous montrer. La prière qu'on appelle l'offertoire. Mais quand on dit l'offertoire, c'est faux. C'est d'ancien concile. On parle de présentation des offrandes. Alors, ça, on va tout vous faire. Ça vous saurez tout. Pas de secret. Pas de secret. Alors... Un calice se présente de machin, le calice, la patène, amen. D'accord. Sur un calice, il y a toujours une croix au pied. Ouais. Et en général, derrière la patène, un symbole eucharistique. Parce que sur tous les linges, il y a toujours des croix. En principe. Quand c'est réglementaire, de même sur le troisième linge, le corporal, il y a une croix. Sur le purificatoire, il y en a une dans le coin. Voilà. Et puis une pale. Alors, je vais vous montrer tout ça. Comme ça, vous saurez. Ça vous rappellera peut-être des souvenirs. Un calice se monte de la façon suivante. On prend le calice, on met la croix vers soi. Par-dessus, on met un linge qu'on appelle le purificatoire, qui est en long avec une croix au centre. La croix au centre se met au centre du calice. Par-dessus, on pose... La patène. Par-dessus, on pose... Merci. Par-dessus, on pose ceci. Il s'appelle une pale. Ça sert juste pour éviter qu'on écrase l'hostie quand on se déplace avec, et après, pour éviter les impuretés qui tomberaient quand les voûtes sont vieilles, que les mouches aillent dedans ou les moustiques pendant ça la messe. Ça n'est pas de mouches à abattre. Voilà. Par-dessus, on va le faire version aujourd'hui, on met le corporal. Qui est un linge carré qu'on déplie sur l'autel en premier et qui a pour but de récupérer les miettes du corps du Christ, d'où le nom de corporal. C'est pour récupérer les miettes quand, au moment de la fraction du pain, on fait des choses pour pas que les... Donc on met, voilà, donc ça c'est un corporal et ça se met sur la pale dessus. Et donc, vous avez pu remarquer, ça se faisait peut-être avant que j'arrive, mais nous mettons sur le calice un voile qui est souvent assorti à la chasuble. Ok ? Et qui a aussi une croix. Alors quand on fait ça, on met le calice sur l'autel au milieu. Et au moment de la présentation des offrandes, le prêtre, de façon assez théâtrale, d'une certaine façon, lève le voile de calice. On lève le voile. Ça vous rappelle quoi ? Ça vous rappelle le rideau du temple qui se déchire au moment où Jésus meurt sur la croix et que ce Dieu qui était caché derrière ce rideau, dans le Saint des Saints, se donne à voir. Dieu n'est plus voilé, Dieu n'est plus caché,
Dieu se donne à voir par le sacrifice de Jésus sur la croix. Et donc, tout le mystère de Dieu, tout le mystère de notre salut, parce qu'on a compris la miséricorde de Dieu, parce qu'on a chanté sa gloire, parce qu'on a entendu l'Ancien Testament, qu'on a chanté un psaume, le Nouveau Testament, qu'on a entendu l'Évangile, on a mis nos pas dans toute l'histoire du salut, et du coup, se dévoile à nos yeux le moyen par lequel Dieu nous sauve tous, par le mystère du corps et du sang de son Fils. Et donc, quand on enlève le voile, ça rappelle que tout ce qui était caché aux prophètes, et nous, on le voit. C'est le dévoilement de notre salut. Ça nous rappelle que, eh ben ouais, Dieu il se donne à voir dans le pain et le vin. Il est plus il est là. Et donc, enlever le voile, ça veut dire ce que ça veut dire. On enlève le voile de calice. Et maintenant, le salut de Dieu, il est là. Et donc, le calice, après, on le plie en trois, on le plie toujours en trois, et on le met sur le coin de l'autel. Et on continue la messe, ok? Ensuite, on enlève, on met de côté, on met le corporal, etc. Et là, on présente les offrandes. C'est à ce moment-là qu'il y a eu la quête. La quête, c'est une offrande. Et alors, elle est, en principe, un chrétien donne un dixième de son... Il travaille une heure pour semaine pour Dieu. Donc le dimanche à la quête, il donne l'équivalent d'une heure de travail. C'est le cinquième commandement de l'Église. Voilà. Si vous allez à Londres, dans l'église d'Angleterre, les Anglais sont très sensibles à ça. Le dimanche, les gens donnent à la quête l'équivalent d'une heure de travail. Chaque semaine, ils disent, ben, je travaille une heure pour Dieu. Et j'offre une heure de travail pour Dieu. Donc à la quête, à Londres, il n'y a pas beaucoup de pièces jaunes. Je dis ça, je dis rien. Et donc, ce qui fait que les quêtes sont plus silencieuses et conduisent au recueillement. Et pendant que le prêtre prépare tout ça, il y a la quête qui est apportée au pied de l'autel. En même temps que le prêtre présente le pain et le vin, c'est toute l'assemblée qui présente à Dieu ses dons pour faire vivre l'Église, pour faire œuvre aux pauvres, etc., etc. Vous savez que sur toutes les quêtes qu'on a dans l'année, il y a une vingtaine de quêtes qui sont intégralement ponctionnées par l'Église pour le secours catholique, pour ceci, pour cela, pour cela. Et donc quand il y a écrit quête impérée, c'est une quête qui ne reste pas à la paroisse et qui est reversée pour une œuvre plus grande. Donc c'est pas juste pour entretenir l'Église et la toiture ou quoi que ce soit. C'est aussi pour soutenir l'Église dans son œuvre de pauvres, les œuvres pontificales missionnaires. Mois d'octobre, la quête là, elle est prélevée, elle est impérée et elle va servir à la progression de la foi dans les pays de mission pour soutenir les missionnaires, etc., etc. Donc chaque quête est impérée. Et donc c'est pour ça que la quête se pose au pied de l'autel. On ne va pas à la sacristie avec le panier de quête tout de suite. On la dépose à l'autel. C'est un acte liturgique. Ça a du sens. D'accord ? Bon, le prêtre présente le pain et le vin. Bon, très bien. Au moment où le prêtre met le vin, ou le diacre, il met une goutte d'eau. Vous avez remarqué, goutte d'eau, en disant, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, dans l'Église, à la base, tout est toujours foncièrement pratique. Cette phrase qui est très belle, cette goutte d'eau qui est pure et limpide, etc., c'est très très beau, c'est spirituellement très beau, mais à la base, n'oubliez pas que du temps du Christ, les vins étaient très liquoreux, et que pour les boire, on les coupait à l'eau. D'où l'expression « mettre de l'eau ». Et donc, pendant des siècles, comme les vins étaient très liquoreux, si vous allez en Grèce à l'heure actuelle, vous pouvez boire un vin qui s'appelle le Retsina. C'est un vin qui a le goût de résine. Pourquoi ? Parce qu'on enduisait les amphores de résine de pain pour pouvoir transporter le vin pour que ce soit étanche. Donc le vin prenait ce goût dégueulasse de résine. Et donc on le coupait à l'eau pour qu'il soit buvable. Donc, on a pris l'habitude de mettre de l'eau dans le vin, et puis au fur et à mesure, on a fait des vins meilleurs, le palais s'est formé, etc. Sauf que depuis des siècles, on mettait de l'eau dans le vin. Donc, comme c'est un geste qui faisait partie du décor, on l'a gardé, et on l'a spiritualisé, et on met une goutte d'eau qui représente l'incarnation du Christ, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Et c'est un acte de foi en l'incarnation de Jésus. Jésus n'a pas fait semblant d'être un homme, il est devenu vraiment. Une fois que j'ai mis la goutte d'eau dans le vin, je ne peux plus l'enlever. Ce n'est pas comme si je mettais une goutte d'huile.
Le vin est complètement absorbé dans l'eau. Eh bien, Jésus est vraiment venu dans notre humanité de façon intégrale. C'est pas comme Zeus qui prenait apparence humaine et que ça a créé Hercule pour aller voir des belles femmes. C'était toujours une apparence. C'est la version que les musulmans ont de Jésus qui est mort sur la croix. Jésus n'est pas mort sur la croix. Dieu a mis quelqu'un à sa place qui lui ressemblait, mais Jésus n'est pas mort sur la croix. Parce que le Fils de Dieu ne peut pas mourir, un prophète ne peut pas mourir comme ça. Nous, chrétiens, nous croyons que Jésus a épousé notre condition humaine en tout, à l'excepté du péché, y compris jusque dans la mort. Et donc cette goutte d'eau, qui à la base avait vocation à rendre le vin potable, on l'a gardée en une goutte et on a cette belle phrase. Et donc un geste pratique est devenu un geste spirituel au cours des siècles. D'accord ? Quand on a présenté le vin, le prêtre se lave les mains en disant « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché » et il se lave les mains. On revient en arrière, avant l'argent. Si vous allez en Afrique encore aujourd'hui, les gens à la quête, ils apportent quoi ? Leur travail. Donc il y a des gens qui apportaient des choux, il y a des gens qui apportaient des canards, il y a des gens qui apportaient des salades, il y a des gens qui apportaient des trucs. Donc le prêtre recevait tout ça à l'autel et les posait devant. Comme quand l'évêque vient, le prêtre reçoit les dons devant l'autel et il les donne au diacre. On ne le fait pas tous les dimanches, la procession des offrandes. En rigueur de terme, faudrait. Et donc le prêtre recevait des choux, des salades, des tomates, des poulets, des lapins, des œufs, des trucs et des machins. Ben, il avait les mains crades. Ben, avant de continuer, qu'est-ce qu'il allait faire ? Ben, il allait se laver les mains. Puis un jour est venue la quête, et donc les paniers étaient posés directement devant, sauf que depuis des siècles, le prêtre se lavait les mains à ce moment-là. Donc on a gardé l'usage et on l'a spiritualisé en disant « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. » Ok ? Donc, lavement des mains, et là on arrive à l'autel, on n'est toujours pas dans l'offertoire, c'est la prière eucharistique avec la préface. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de l'église, il y a la prière d'entrée. Là, il y a une deuxième prière sur les offrandes qui dit nous allons t'offrir un sacrifice, Seigneur, on espère quelque chose qui change en nous. Il y a une demande. Et ensuite, il y a la grande salutation avec la préface. La préface, à la base, c'était quoi ? C'était une prière que le prêtre disait de façon spontanée, et tant que le prêtre avait quelque chose à dire, ça continuait. Ça pouvait durer trois quarts d'heure. Oui, Seigneur, tu es grand, tu es majesté, on est là ce soir pour te rendre grâce. Les charismatiques, ils font ça aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est codifié. Hein. Le Seigneur, vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce toujours en ton lieu, à ton lieu. Et il y a, c'est aujourd'hui, c'est cadré. Mais à la base, c'était une prière spontanée du prêtre qui pouvait durer trois quarts d'heure. Et si vous allez dans les groupes du chemin néo-catéchuménal, ils invitent les membres à faire ça. Donc la messe, elle dure 4 heures, et puis ça dure. Donc nous, on a normé les trucs. Hein. Un texte du 2e siècle dit « Le président rend grâce autant qu'il peut. » Voilà. D'où vient le jeûne eucharistique ? Le fait qu'avant minuit, il ne fallait pas communier, ensuite on a 6 heures, maintenant 1 heure avant. C'est tout simplement que les gens arrivaient pétés à la messe. Et que dans l'église primitive, le saint sacrifice de la messe avait lieu au cours du repas, dans une maison. Donc les gens forçaient sur l'apéro. Et au moment du saint sacrifice de la messe, là, ils étaient pétés. Donc on a mis des barrières et on a imposé le jeûne pour être sûr que les gens n'arrivent pas ivres à la messe. C'est juste ça, hein. Comme à celle de Noël. Comme à celle de Noël. Parfois, c'est les prêtres qui sont pétés. Voilà. Oui, il y avait quelqu'un. Mais voilà. Vous voyez ? D'où vient tout ça ? À la base, c'est toujours purement... Avant, c'était minuit. Après, c'était 3 heures. Et on a réuni aujourd'hui, c'est une heure avant le moment de communier. Voilà. OK ? Mais voilà. Voilà. Bon. Donc, à la base, c'était parce que les gens arrivaient ivres, voilà, ok. Donc, là, la préface, et ensuite, on chante le Sanctus. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure, pensée, passage, Ancien Testament, Nouveau Testament. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis d'âme. Hosanna, voilà, stop, ciel et terre sont remplis de sa gloire. C'est la prophétie d'Isaïe, qui voit cette vision dans le ciel, Ancien Testament. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus qui rentre à
Jérusalem, Nouveau Testament. Donc quand on a dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », on ne revient pas dans l'Ancien Testament. Donc on ne rechante pas « Saint, Saint, Saint le Seigneur » qui n'est pas un refrain. Le Sanctus, c'est « On ne reprend pas Saint, Saint, Saint à la fin ». On ne revient pas dans l'Ancien Testament. Toute la messe nous dit que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, donc on n'y revient pas. C'est pour ça que tous les Sanctus composés par des gens qui n'ont pas cette formation liturgique, où on reprend le Saint, 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 le Seigneur comme un refrain, théologiquement, c'est faux. Mais on ne fait pas d'histoire. Mais sachez-le. Voilà. Comme ça, vous le saurez. On quitte l'Ancien Testament, Saint, 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 le Seigneur, pour aller arriver dans... Oui, Isaïe, les prophètes ont attendu Jésus pendant des siècles, mais pour nous, il est là aujourd'hui. Hosanna, béni soit celui qui vient. Qui c'est qui vient? C'est le Seigneur dans la consécration qui a lieu maintenant. Béni soit celui qui vient. Il vient quand? Là, tout de suite. Voyez le lien? C'est le chant d'acclamation que Jésus a eu quand il est rentré dans Jérusalem pour livrer son corps et son sang. Béni soit celui, Hosanna au plus haut des cieux. Eh bien, nous à la messe, quand on prend le Sanctus, on rappelle toute l'attente du Dieu Sabaoth Tout-Puissant là-haut, qui vient là maintenant pour nous quoi? Pour nous sauver. On avance dans notre salut. Là, il y a la prière de consécration, il y en a quatre prières eucharistiques très différentes. La plus ancienne, la plus classique, c'est la prière eucharistique 1, qu'on appelle le canon romain, qui est un petit peu différent des autres, et où il y aurait beaucoup de choses à redire, avec tous les saints romains. Vas-y. Le canon, c'est pas pour tirer à boulet rouge sur les gens, c'est un mot grec qui veut dire la façon droite de faire. D'accord. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Ça va? Donc il y a les quatre, prière eucharistique 1, prière eucharistique 2, 3, 4, et après il y a un livret avec des fascicules où on a inventé des prières eucharistiques pour les circonstances particulières, à titre personnel, et je crois que mon voisin de gauche, pareil, ne les prend jamais. Donc la prière pour l'évangélisation, et à droite, droite non plus. La prière pour l'évangélisation des kangourous, vous ne l'entendrez jamais avec moi. La prière pour les assemblées d'enfants, sous-entendu que les enfants sont trop bêtes pour comprendre ce que... Non. La prière... Non. Il y en a quatre, elles sont belles. On ne va pas toujours niveler par le bas. C'est tout. Au moment où Jésus était avec ses amis, comme il savait qu'il allait partir, il prit le pain dans ses mains. Non. Au moment de son dernier repas, il prit le pain et rendit... Non, c'est pas Aglaé et Sidonie, hein. C'est la messe. Donc la prière eucharistique des enfants, elle est complètement con. Pardon, c'est nunuche, c'est gnangnance. C'est prendre les enfants pour des demeurés. Je suis désolé. Plus on parle comme à des grands, à des enfants, plus ils grandissent. Quand on dit, ah non, tu veux aller aux toilettes, tu dis, pipi. Non, tu veux aller aux toilettes, oui. Tu veux aller dodo. Non, tu veux aller au lit. Après, il ne faut pas s'étonner qu'à 12 ans, ils sont... On devient ce qu'on nous dit. Donc, parlez à vos enfants comme à des grands. Ça les structurera. Voilà, j'y crois vraiment. Oui, c'est bien. Mais pour vos petits enfants. Ouais. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Je vous taquine un peu. Mais c'est pour vous faire comprendre ce qui est en jeu, en fait. Hein. Ok. Donc la prière eucharistique, elle est toujours, grosso modo, coupée en plusieurs morceaux. On rend présent Jésus en rappelant sa passion. Et ensuite, il y a une prière qui se déroule pour nous tous ici présents. Alors, pour l'Église, pour nous qui allons communier, pour l'Église universelle, on est une portion pour le pape, notre évêque. Ensuite, il peut y avoir en fonction pour les défunts, pour les vivants, et en communion avec tous les saints, il y a des parties bien définies. Et donc, on rend présent ce sacrifice qu'on célèbre à toute Église, à plus largement, etc. D'accord ? Donc la prière eucharistique, elle permet d'élargir notre prière. Pour l'Église répandue à travers le monde, bah oui, on prie pas seulement pour nous à Sarrebourg, on prie pour l'Église répandue à travers le monde. Pour nos frères et sœurs défunts, qui sont en communion avec eux, etc., etc. Donc là, en fonction des prières eucharistiques, ça va être différent. Et là, on arrive ensuite à la fin de la prière eucharistique, à l'offertoire, qui est la partie la plus... Non. La fin de la prière eucharistique, c'est pas l'offrande. Oui, mais ce qui est le vrai... Oui, mais ah, le oui. Par lui... Non, l'offrande. L'offrande.
Et donc, en fait, la partie la plus sacrée de la messe, la partie la plus haute intensité de la messe, ce n'est pas la consécration. C'est quand on prend le corps et le sang du Christ et qu'on l'offre à Dieu, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur à toi. Et en fait, nous nous rappelons là que Jésus a livré sa vie à Dieu pour nous sauver. Et la, c'est la doxologie, et c'est la partie la plus forte, la plus importante de la messe. Par lui, avec lui, en lui, à toi. On dit le sacrifice de la messe. On offrait un agneau, un mouton, des bœufs au Seigneur pour tel ou tel truc. Nous, chrétiens, on ne le fait plus, parce que Jésus s'est livré lui-même une fois pour toutes. Il s'est offert en sacrifice. Donc nous n'offrons plus de moutons, tout ça. Quand nous allons à la messe, nous offrons à Dieu, nous rendons présent le sacrifice de Jésus. Et donc, la partie la plus forte, je ne sais pas comment toi dire, la plus sacrée, je ne sais pas comment dire. La plus dense. La plus dense, la plus forte, ouais. C'est le moment où on élève le corps et le sang du Christ et où on l'offre, pour nous le mot offert, où on offre la prière d'offrande, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur. C'est à ce moment-là qu'on offre le sacrifice à Dieu. Voilà. C'est juste le prêtre qui dit. C'est juste le prêtre. Oui. L'assemblée, elle acclame en disant Amen. Voilà. C'est une question. Ouais, voilà. On se lève normalement. Oui. Si. Bon, on est déjà debout. Certains qui sont à genoux. Oui. Ceux qui sont à genoux. Eh bien, ils peuvent rester à genoux. C'est pas interdit. Si quelqu'un veut rester à genoux toute la messe, il a le droit. Parce qu'à genoux, c'est une attitude de prière qui peut faire mal aux genoux. C'est autre chose que rester affalé dans le banc. Voilà. Mais c'est à ce moment-là que la cloche sonne pour marquer la fin, que souvent on se lève, on attend ce moment-là. Voilà. Okay. Donc la partie la plus sacrée, la plus forte, la plus intense, la plus chargée, je ne sais pas le mot, je n'ai pas le mot tellement c'est grand, c'est le moment où en fait, on fait ce que Jésus a fait, on l'offre à Dieu. Ok ? Voilà, c'est ça la partie là. C'est comme une pointe. On monte en pression jusqu'à ce moment-là, et à partir de là, on redescend vers la fin de la messe. C'est le pic le plus important de la messe. Une fois qu'on a offert à Dieu, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, notre Père qui est aux cieux, parce que Dieu nous a rétablis dans sa dignité, parce que Jésus s'est offert pour nous tous, Jésus nous a rachetés tous, on peut se tourner vers notre Père. Parce qu'il n'est plus un méchant Dieu qui va nous punir, qui va nous écraser, il est notre Père. Il nous a sauvés en nous livrant son Fils. C'est pour ça que vient tout de suite le Notre Père. Une fois que le Notre Père est prié, il y a l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu ou le chant de la fraction, qui ne se remplace pas par « La paix, elle aura tout visage » ou « Vienne la paix, ou évinou shalom » ou je ne sais pas quoi. Non. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prend pitié de nous. C'est un deuxième acte pénitentiel, c'est une reprise. Et on s'adresse à l'agneau de Dieu, celui qui est là, celui qui s'est livré, qui est l'agneau de Dieu qui nous arrive. L'acte, oui. C'est parce qu'on reprend les paroles de Jean-Baptiste en partie. Voilà. Et donc, c'est un chant qui accompagne la fraction. Alors, je vais vous donner un scoop. Si, par exemple, le prêtre est seul, donc déjà, il va rompre l'hostie, je vais en parler après. Tac. Et bien, voilà. Et qui doit aller au tabernacle qui est à l'autre bout de l'église. Il revient et que là, on lui apporte deux coupelles vides qu'il faut qu'il ouvre, qu'il prenne, qu'il mette dans les deux coupelles vides, etc. Et bien, la chorale, elle chante « Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié. » Et seulement quand le prêtre est prêt, on entend « Donne-nous la paix. » Et en fait, l'agneau de Dieu accompagne la préparation à la communion. C'est pas juste deux fois une fois. On continue le « Prends pitié de nous » tant que l'acte de communion n'est pas prêt et que le prêtre n'est pas à l'autel pour pouvoir élever l'hostie. Donc on répète, prends pitié de nous 3, 4, 5 fois si nécessaire. Mais on ne va pas en dessous de 2. D'accord ? C'est pour ça que ça s'appelle le chant de la fraction. Et il accompagne tous ces mouvements-là pour permettre à l'assemblée qui attend le moment de communier de ne pas se dérober, de ne pas être... de chanter ça en attendant le moment où... Ok ? Donc pendant le chant de la fraction, le prêtre prend la grande hostie et il la rompt. Ok ?
et il met un petit morceau dans le calice, qu'on appelle la commixtio. D'accord ? Alors, en faisant ça, il dit que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nous gardent pour la vie éternelle. Nourrissons-nous de la vie éternelle. Ok ? Là, voilà. Et du coup, et c'est très beau, voilà, le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissons-nous de la vie éternelle. Très bien. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Tous les gestes qu'on fait dans l'église ont à la base quelque chose de... Si vous regardez les évêques orthodoxes, alors c'est toujours des gros barbus, hein, des gros chapeaux, et ils ont trois trucs autour du cou. Ils ont au centre un angolpion avec une sainte vierge qui porte l'enfant Jésus. C'est une custode dans laquelle il y a, en principe, le corps du Christ consacré. Et l'évêque met l'angolpion quand il va dans une paroisse. Et il donne l'hostie qu'il a consacrée, lui, à l'évêché, à la paroisse. Et à chaque messe, le prêtre prend un petit morceau qu'il met dans le vin pour montrer qu'on est en communion avec l'évêque. Et ça, c'est fait dans notre église latine aussi, dans les premiers siècles. Et donc, pour rappeler que nous ne sommes qu'une portion de l'église, que nous ne sommes qu'un petit bout, mais qu'il y a l'église partout dans le diocèse et partout dans le monde, on met ce petit morceau qui nous représente d'une certaine façon, nous, dans le sang du Christ. Ben oui, nous ne sommes qu'une parcelle de l'église. Mais l'église, c'est tous les baptisés dans le monde. Et ça nous rappelle ce lien à l'évêque. D'accord ? Alors aujourd'hui, on met le petit morceau en disant la phrase que je vous ai dit tout à l'heure. Ok. Et ensuite, c'est la communion. Le prêtre communie sous les deux espèces. Voilà, c'est l'usage. La communion des fidèles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais un peu plus vite. On reçoit le corps du Christ. Sur la langue, s'il vous plaît, si vous voulez communier à la bouche, il n'y a aucun problème. Mais tirez la langue. L'hostie, elle s'applique toute seule dessus, elle colle, ça ne bouge plus. Croyez-moi. Mais si vous faites ça, on se fait bouffer les doigts. J'ai aucun problème avec les gens qui communient sur la bouche. Mais s'il vous plaît, si vous voulez communier sur la bouche, faites-le correctement. Tirez la langue. Voilà. Je ferme la parenthèse. Et si vous communiez sur la main, on met ses mains bien à plat. On ne fait pas comme ça ou comme ça. On met les mains bien à plat, un trône pour le Seigneur, pour que l'hostie soit posée, qu'elle ne tombe pas. Et là, vous voulez communier comme ça, ce n'est pas un problème. Mais on n'attrape pas Jésus au vol parce qu'on reçoit la communion. On ne se communie pas soi-même. On le reçoit. Ce n'est pas un dû, c'est un don. C'est quelque chose que je reçois. Vraiment, je le reçois. Je ne le prends pas, j'y ai pas droit. C'est un don de Dieu. Ok ? C'est important aussi. Alors après, quand c'est des personnes, des anciens qui ont la canne, et qui, évidemment, on adapte, on tient compte de ça. Mais quand c'est des... Voilà. Et important, on ne se signe pas avec l'hostie. On a vu ça. On en voit. Et on la consomme devant le prêtre. On ne part pas avec pour la manger à chemin. Non. Le prêtre nous l'a... Alors, quand c'est dans la bouche, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est dans la main, on la met dans la bouche devant le prêtre. Et nous sommes très sensibles à ça. Et nous coursons les gens qui ne le font pas. Comme on a retrouvé, après ma messe d'installation, une hostie par terre dans l'église. Alors, est-ce qu'elle est tombée ou... Le doute est permis, mais avec Denis, on a fait ce qu'il fallait. Qui est à la sacristie. Et... parfois, les pressings m'appellent, ils ont un manteau noir, parce que les gens étaient à un enterrement, ils ont communié, ils ont mis l'hostie dans la poche. Et c'est le pressing qui m'appelait, parce que, mais écoutez, il y a une hostie dans un manteau, monsieur l'abbé, c'est des pressings sympas, hein. Mais ça, sur le marché noir des pseudo-satanistes, il y en a qui sont des hosties consacrées qui se revendent. Sachez qu'il y a des gens qui viennent exprès pour faire des profanations après. Donc nous, les prêtres, on est attentifs à ce que les gens consomment l'hostie devant nous. Donc, sachez-le, hein, voilà, ok ? On communie devant le prêtre, on va s'asseoir à l'heure là. On s'agenouille, on reste debout, c'est chacun selon son cœur. Il n'y a pas de règle, il y a ceux qui veulent s'agenouiller pour intérioriser, il y a ceux qui veulent s'asseoir. De fait, vous avez reçu le corps du Christ, il est dans votre cœur, donc vous pouvez très bien vous asseoir, ouais. Mais si vous voulez vous agenouiller, il n'y a pas de règle, on n'a pas à s'agacer parce qu'il y en a un qui se met à genoux. Chacun fait selon son cœur. Ce qui convient, c'est de prendre un temps d'intériorisation. Ok ? Ensuite, quand la messe est terminée, ça va très vite.
on purifie les coupelles, tout simplement pour pas laisser du précieux sang, etc. Le diacre, le prêtre remplit tout ça. Il y a la prière finale, nourrie de ce sacrement, donne-nous Seigneur la force d'eux. Maintenant que tu nous as nourris, on fait quelque chose. La bénédiction finale, potentiellement les petites annonces, mais c'est pas ça. Et l'envoi. Et il n'y a pas en rigueur de terme de chant de sortie. Une fois que le prêtre vous a dit « Allez dans la paix du Christ », ben vous devez y aller. Vous ne restez pas à chanter un quart d'heure. En fait, si on interprète correctement la rubrique, on devrait partir et chanter en partant. Voilà. C'est ça. Vous voyez ? Mais donc, à partir du moment où le prêtre est passé, vous continuez à prendre votre feuille de chant et vous suivez le prêtre et vous sortez. OK ? Voilà, c'est ça. En rigueur de terme. OK ? Voilà un petit peu tous les gestes. Alors, voilà les mains, je vous ai expliqué, la prière de Laurent, la prière priée, les tenues, etc. Alors après, il y a des subtilités sur les couleurs liturgiques. On verra ça pour une prochaine fois. Il y a les degrés, 4 cierges, 6 cierges, 2 cierges, un calice très orné, pas orné, des grosses... Mais ça, c'est pour marquer que, à Noël, on ne va pas célébrer la messe comme un mardi soir à 8h30, un mardi matin à 8h30. Parce que quand vous mangez la semaine et que vous mangez dans les verres à moutarde avec les assiettes Esso, qu'on a tous eu les rectangles noirs là, qui laissent des traces toujours, ou les plus anciennes avec les fleurs oranges ou bleues, ah oui. Et ben, le soir de Noël, vous ne sortez pas ces verres et ces assiettes-là, je pense. Vous mettez une belle nappe. Vous aviez votre famille, vous mettez des beaux verres, les verres du mariage, le service du mariage, qu'on ne sort que pour Noël et Pâques encore. L'argenterie. Non mais vous voyez, je vous connais par cœur. Sachez qu'au presbytère, j'ai tous les services de mariage de ma famille parce que mes grand-tantes sont tous mortes, elles n'ont jamais mangé dedans. Et moi, je mange tous les jours dedans, dans l'argenterie, dans la traite de mariage. Et donc j'ai déjà cassé plein d'assiettes. Et chaque fois, je dis, ah bah tu vois... J'ai quand même cassé, mais au moins ça sert. Donc j'ai ma tante qui est là-haut, ma tante Monique, je dis, bah, tah, tu vois, au moins moi je l'en aurais profité. Eh ben, c'est ça. À l'église, la liturgie, elle s'adapte aux fêtes. Et le soir de Noël, le soir de Pâques, eh ben, on met du beau, on met des beaux calices, on prend un bel encensoir, on met plus de cierges, blablabla, on met plus de fleurs. C'est exactement la même chose. Et donc en fait, la messe, si c'est la source et le sommet de la vie chrétienne, tous ces codes-là, ne vise qu'à une seule chose, nous faire comprendre qu'en Jésus-Christ, nous sommes sauvés et que nous sommes appelés à vivre en Dieu et que Dieu nous a rejoints, nous a sauvés. Donc tous ces gestes et tous ces codes-là ne sont pas des dogmes, mais ce sont des petits moyens pour nous permettre de comprendre quelque chose qui nous dépasse et qu'on appelle dans la foi un mystère. Un mystère dans la foi, ce n'est pas quelque chose que l'on ne connaît pas, c'est quelque chose qu'une vie entière ne suffira jamais pour comprendre. Et chaque fois que je vais à la messe, je découvre un peu plus des choses et j'approfondis ma foi. Et c'est pour ça que tous ces gestes, qui ne sont pas fondamentaux, mais nous conduisent, nous rendent attentifs à certaines choses beaucoup plus profondes. C'est pour ça que je disais, oui, de fait, notre foi en Jésus-Christ, elle n'est pas liée au fait que le prêtre met une goutte d'eau dans le vin ou qu'il se lave les mains. C'est pas vrai. Mais tous ces signes-là, nous rappelle des choses qui nous dépassent. C'est pour ça que, vis-à-vis de la liturgie, il faut être respectueux. C'est des choses qui nous sont confiées pour que nous les transmettions. Mais il ne faut mais rappelez-vous Jésus, ce n'est pas l'homme qui est fait pour le Shabbat, le Shabbat qui est fait pour l'homme. C'est pour ça que dans les paroisses, on adapte avec intelligence, le plus souvent possible, en fonction des réalités du moment. Mais pas par idéologie. OK ?